Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai vraiment du mal à dormir. Hein. Oh, attends, Cinéman sort en DVD. Ah, ça c'est bon ça. J'ai ma solution, je te laisse, salut. Bonsoir à tous. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous des regards d'acteurs au cinéma. Alors pour moi, il y a plusieurs sortes de regards. D'abord, il y a le regard renifleur. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Dis-moi, t'as changé, je te reconnais plus, t'es plus le même homme, dis-moi ce qui se passe. Pour ce regard, j'ai ma petite explication. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Dis-moi, t'as changé, je te reconnais plus, t'es plus le même homme, dis-moi ce qui se passe. Bah, je sais pas, déjà, apprends ton texte, ça ira mieux. Il y a aussi le regard Bruce Willis, avec les yeux qui clignotent très lentement. Bruce, ils ont kidnappé ta fille. Je vais les buter. Celui-là, je l'ai essayé dans ma vie de couple. Chérie, mes parents viennent ce week-end. Je vais les buter. Moi, je pense que Bruce, il s'est pas mal inspiré des clips de R&B. Tu es ma number one, baby. Je te suis jusqu'au bout. Et pour finir, il y a aussi le regard de l'acteur à la fin d'une scène des Feux de l'amour qui voit sa carrière partir très très loin. C'est fini entre nous, Samantha. Putain, je trouverai plus jamais de boulot après cette série de merde. Je voulais jouer Shakespeare, moi. Bon, allez, à la semaine prochaine. D'ici là, faites-vous des films. Coupez! Putain, mes beaux-parents viennent ce week-end. Je vais les buter.